Will you try it? Moi, c'est un collègue, c'est un faux valable. Mon travail pendant longtemps, lui, mon souhait le plus sincère, c'est que nous ayons ce input intellectuel et surtout dans la gestion des affaires de l'État en termes de finances. Hein. C'est un Djimoun qui est une belle alarme, ou un autre Djimoun encore à côté de moi. Là. Et c'est un Djimoun qui a l'expérience, ça ne fait pas, ou pas qu'à acheter ça. Et un pays, quand Djimoun vote un Djimoun, pour venir un ministre, ben ça veut dire Djimoun a confiance dans lui. Et quelque part, si son premier réaction m'a bien apprécié, qu'il pense d'abord ben Djimoun, qui nous fait confiance, et Vox Populi, Vox Dei. C'est la population qui nous fait confiance, et il y a un droit moral, un droit, bien pour autant. Et quand on va accepter pour servir le peuple, alors sa bénédiction que la population donnée, ou pas un droit d'y aller à aucun moment. Et peu importe ben obstacle, peu importe ben difficulté ou gagner, peu importe ben calomnie qui ou gagner, ben, ou mettre ça à côté, ou get l'objectif. Non, ça, moi, je ne parle pas d'un affaire qui ne me connaît, mais une affaire qui me connaît, moi, Vishnu, c'est un nous ben atout. Mon dieu, travailleur dans différentes capacités, comme. Pilote commandant, comme commissaire. Et c'est un Djimoun qui ne fait la force bouger. Hein. Et il soutient la force. Et c'est un Djimoun qui croit dans le renouveau. Et à chaque fois qu'il y a un mouvement, il y a une affaire. Dès que mon Djimoun a une affaire en plus, en termes un budget additionnel, il donne nous 100 millions tout de suite. Parce qu'il concerne un petit peuple. Il concerne la population et en même temps, je peux gagner courant dans l'énergie à travers ce feu solaire d'une façon qui il profite tout du monde. Bon, je pense que c'est une belle distinction et je la dédie à ma mère parce qu'elle a toujours été là. Et puis à la famille et tous les amis et surtout tous ceux qui m'ont soutenu dans toutes mes initiatives pendant des années. Et je voudrais remercier bien sûr le Premier ministre parce que j'apprécie beaucoup l'estime et la confiance qu'il m'a fait pendant de nombreuses années. Et j'ai toujours dit une chose, hein, Maurice est un pays béni, un pays extraordinaire. Et nous avons un peuple fantastique qui mérite un bel avenir et que tout ce que nous devons faire, toutes les grandes décisions qui devaient être prises, devront être prises dans l'intérêt national et pour vraiment promouvoir le bien-être de la population. Non, la situation au sein du gouvernement, nous avons un Premier ministre et je suis confiant que le Premier ministre saura évaluer la situation, prendre les décisions qu'il faut et maintenir le cap. D'ailleurs, il l'a dit ce matin, il va sûrement vous le dire tout à l'heure. Moi, j'ai beaucoup de confiance parce que je suis de plus en plus confiant que tous les grands projets vont démarrer incessamment. Et je pense que cette gageure que nous avons décidé de prendre, d'emmener l'investissement et la création d'emplois, je pense qu'on pourra la gagner. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, je pense que la meilleure chose, c'est qu'il y ait une réunion en tête-à-tête entre le Premier ministre et le ministre Lachmine Raidou. Et je suis convaincu que le Premier ministre prendra les décisions qu'il faut.
s'il vous plaît.